Nous ferons l'intervention à deux voix, donc avec Annie Agier. Je commence sur le SRCE. On estime que depuis le début de la vie sur Terre, environ 99% des espèces ont disparu. Le vivant a subi 5 grandes extinctions, et cela bien avant l'apparition des premiers hominidés. Aujourd'hui, nous vivons la 6e grande extinction du vivant. L'humanité n'a jamais connu une perte de biodiversité d'une telle ampleur et d'une telle rapidité. L'activité humaine accélère le rythme qui est de 100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel d'extinction, un rythme qui ne cesse d'augmenter. D'ici à 2050, on considère que 25 à 50% des espèces auront disparu. C'est une crise biologique majeure. Les sociétés humaines qui ont amorcé cette extinction de masse scellent définitivement le sort de l'humanité. À ce rythme, nous serons à la fois la cause et les victimes de cette 6e extinction de masse. Alors pour notre groupe, ce schéma est d'une importance capitale. Cohérence écologique. Pour nous, ce terme est un pléonasme. Être écologiste, c'est être cohérent. Cohérent avec notre raison d'être. Pérenniser notre espèce. Veiller à ce que notre prochain ne manque de rien. Ce qui revient à veiller à la fois à la préservation des ressources et à la disponibilité des ressources pour tous. La vie est conditionnée au maintien de la biodiversité, telle une chaîne dont chaque maillon est indispensable. La biodiversité, c'est la richesse des générations futures. C'est cette richesse qu'il nous faut leur préserver. La richesse de nos enfants, ce n'est pas une croissance illusoire, croissance qui est basée sur la consommation infinie de ressources finies. La richesse de nos enfants, ce n'est pas une pseudo-compétitivité qui n'intègre pas les conséquences sur l'environnement et sur l'humain. Il est temps que chacun de nous prenne conscience que nous pillons nos enfants. Préserver la biodiversité est une priorité qui doit prévaloir. Et préserver la biodiversité, c'est permettre le brassage génétique. Le vivant a un besoin infini de se renouveler. Pour éviter la dégénérescence, il faut, au sein d'une espèce, mélanger ses gènes avec un, voire des partenaires différents, le plus différent possible. L'entre-soi est très néfaste pour une espèce. Ouvrir les frontières est plus que bénéfique, c'est vital. Le réseau des trames vertes et bleues permet ainsi aux vivants de se connecter, se renouveler, en préservant la biodiversité et permettant une évolution équilibrée. Avec ce schéma et la loi Grenelle qui les a mis en place, nous sortons de la logique des réserves fermées qui ont montré leurs limites. L'État a donc confié aux régions compétentes en la matière l'élaboration de ce SRCE. Trop peu de représentants de notre Assemblée au comité technique régional des trames vertes et bleues. Et là, j'interpelle Madame Robert sur le fait qu'elle aurait pu avoir des documents au comité. Ont participé à la concertation d'ampleur durant 3 ans menée par Alain Chabrol. Concertation ayant pour vocation d'aboutir à un schéma. Schéma qui est censé répondre à ces enjeux, qui scellent notre destin. Les socioprofessionnels, eux, se sont impliqués. Malgré une prise de conscience des menaces qui pèsent sur les ressources et la biodiversité, il reste une résistance pour entretenir à tout prix un système obsolète, basé sur le dogme de la croissance, le consommer à tout prix, même si nous pillons et empoisonnons notre terre pour des générations. C'est irrationnel. Donc notre rôle d'élu responsable est de faire les bons choix, de montrer la voie du changement en soutenant ce SRCE. C'est cette voie de la rationalité et de la responsabilité qu'a choisi le peuple des Quichua de Sarayaku pour défendre la biodiversité, même contre la convoitise des compagnies pétrolières. Nous avons su les soutenir et nous en sommes fiers. Alain Chabrol a su faire converger toutes les parties prenantes vers un équilibre. Et nous comptons sur lui pour continuer à travailler au niveau de l'ARF pour aboutir à une réelle opposabilité des trames vertes et bleues et pour que les régions que l'État a décidé de renforcer obtiennent tous les moyens pour, d'une part, décliner les réseaux des trames vertes et bleues sur les territoires, d'autre part, dégager des moyens pour appliquer les programmes d'action et soutenir les porteurs de projets. Le schéma qui nous est présenté aujourd'hui et celui que nous avons voté la dernière fois sont intimement liés. L'ébriété énergétique a un impact direct sur la surconsommation des ressources, l'exploitation des milieux,
le rejet des polluants et bien sûr le réchauffement climatique. Nous pouvons briser ce cercle vicieux en vivant mieux. Nous connaissons les problèmes, nous avons les solutions. Les citoyens sont prêts à changer dès lors qu'ils ont les alternatives opérationnelles. Passons à l'acte, à la conversion écologique de l'économie, les transports doux et collectifs, l'habitat durable, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique. La route est encore longue. Raison de plus pour s'y engager sans tarder, comme nous y invitait déjà René Dumont en 1974. Nous voterons donc ce rapport avec détermination et avec l'intention d'un rendez-vous dans 6 ans pour un premier bilan. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Collin. Madame Agier à 1 minute 20. Merci. Nous allons donc valider ce jour ce SRCE qui a le mérite d'être un premier pas important pour un engagement État-Région-Collectivité en faveur de la biodiversité et de l'eau. Mais notre vote du SRCE n'aurait pas de sens si nous ne donnons pas les moyens de faire d'autres pas en avant. La délibération que nous votons aujourd'hui est donc essentielle. Nous ne voulons pas juste d'un beau schéma, mais bien d'une dynamique concrète, solidaire et efficace pour poursuivre notre politique de préservation de nos trésors, eau et biodiversité. Pour cela, une délibération cadre a été votée en janvier 2013, puis une importante concertation. Et nous allons bien reconnaître effectivement qu'il faut modifier les interventions qui datent de plus de 20 ans. Et cela a entraîné quelques questionnements, notamment au niveau des contrats de rivière. Personne ne peut aujourd'hui remettre en cause l'efficacité des contrats de rivière qui ont permis de retrouver des rivières de qualité, tant au niveau de l'eau que de leurs abords, tout en évitant bien des débordements. Mais ces contrats ont déjà été renouvelés une fois, deux fois. Bien sûr, tous les contrats de rivière en cours seront poursuivis jusqu'à leur terme. 7 d'ailleurs ont fait l'objet d'une validation hier en commission permanente, engageant notre région jusqu'en 2020. Et d'ici la fin de l'année 2014, quelques derniers contrats resteront à valider. Il est donc proposé aujourd'hui d'aller vers un contrat unique vert et bleu en partenariat avec les PNR, les RNR et bien sûr de maintenir l'animation aux biodiversités avec les grands acteurs régionaux par le biais des conventions pluriannuelles. Le comité technique régional suivra avec attention ces contrats vert et bleu permettant d'en définir certains hors zone prioritaire du SRCE. Ce comité technique rassemble des élus régionaux avec un représentant de chaque groupe politique. Il serait bien que chaque groupe veille réellement à y être représenté afin d'avoir un travail collectif d'élus constructif pour tous. Un tiers des espaces composant la trame verte et bleue étant agricole, il est important de contribuer financièrement au dispositif d'aide individuelle aux agriculteurs afin qu'ils adoptent des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, limitant l'utilisation de pesticides, d'engrais, diversifiant et adaptant les cultures, préservant ainsi la biodiversité et l'eau. Sans eau douce, pas de vie. Pas de vie non plus si nous poursuivons la destruction de la biodiversité, qu'elle soit remarquable, ordinaire ou domestique. Alors réagissons, nous le devons aux générations futures. Je vous remercie. Merci, Madame Agier. Donc je vais laisser maintenant...